La pratique ancestrale du tuo yue tzu en Chine consiste à rester cloîtré durant un mois à la suite de la naissance d'un enfant. Les préceptes à suivre, hérités de la médecine traditionnelle chinoise, commandent notamment de ne pas se laver, de ne pas se brosser les dents, ni de manger ou boire d'aliments froids. Cette tradition connaît un nouvel élan dans le pays, notamment auprès de femmes de la classe aisée chinoise. Les familles qui en ont les moyens ne confient plus les soins prodigués à la nouvelle mère aux tantes ou à la grand-mère, mais à une aide à domicile, une hui suao, qu'on embauche pour le mois pour environ 2000 $. Celle-ci apporte son aide, par exemple, pour les soins du bébé, les repas et offre des conseils sur l'allaitement. Le pays voit aussi apparaître des centres de maternité se spécialisant dans le tuo yue tzu. Le site Dianping, sorte de TripAdvisor chinois, listerait une centaine de ces centres pour la ville de Shanghai uniquement. Pour 10, 20 ou 30 000 $ par mois, les nouvelles mamans fortunées ont accès à des cours de yoga, des traiteurs, des nounous qui veillent sur leur bébé et des chambres d'hôtel luxueuses.